Eva Longoria, l'actrice de 48 ans connue pour son rôle dans la série à succès Desperate Housewives, est en train de devenir une figure clé dans l'industrie des remakes internationaux. En effet, elle a récemment acheté les droits de la série française 10% pour en réaliser un remake espagnol. Cette décision a été accueillie avec enthousiasme par les fans de la série, qui seront ravis de voir leur actrice préférée dans cette nouvelle version. En Italie, elle se place en tête des séries les plus regardées, ce qui atteste de son succès international. Eva Longoria, une fan inconditionnelle de la série, n'a pas hésité à saisir l'opportunité lorsque les droits espagnols de la série sont devenus disponibles. Elle sera non seulement aux commandes de la production et de la réalisation de la version ibérique du show, mais elle envisage également de faire une apparition dans cette adaptation latino, pour le plus grand plaisir de ses fans. Produite par Media One, la série 10% lève le voile sur le métier d'agent et a su conquérir le cœur des téléspectateurs du monde entier. Il a fallu attendre 7 à 8 ans avant que l'idée soit finalement acceptée par les chaînes. Une fois diffusée sur France Télévisions, le succès de la série a grimpé en flèche, ce qui a conduit à sa vente à Netflix. Cette incroyable ascension est racontée par Pierre-Antoine Capton, le président de Media One, dans une interview accordée à Ouest France. Lors d'une interview, Pierre-Antoine Capton a souligné la nouvelle ère des plateformes qui permet à un succès français comme 10% de devenir facilement international. Grâce à ces plateformes, la série a été vendue dans plusieurs pays et plusieurs remakes sont actuellement en cours de production. En effet, Media One produit une quinzaine de remakes à travers le monde. Ce succès témoigne du pouvoir de transformation d'une petite marque française en une marque mondiale. En conclusion, Eva Longoria joue un rôle essentiel dans le succès des remakes internationaux de 10%. Son engagement en tant que productrice et réalisatrice de la version espagnole de la série montre son amour pour la France et son désir de contribuer à la production de contenu de qualité. Grâce à des plateformes comme Netflix, le succès de 10% dépasse les frontières nationales et permet à la série de devenir un véritable phénomène mondial.